Je vais appeler maintenant, si vous voulez bien, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, les autorités à prendre place devant la stèle. Donc, monsieur le préfet, bien sûr, monsieur Yossigal, monsieur le maire, et bien sûr, tous les justes, et représente madame Jacquin, s'il vous plaît, et tous les ayants droit de juste, car cette stèle va être en réalité dévoilée par les justes et ayants droit de juste. Vous avez, mesdames et messieurs, devant vous la liste des 40 justes parmi les nations du département d'Indre-et-Loire. Cette stèle était auparavant installée dans la cour de la synagogue de Tours. Compte tenu de l'inauguration de cette esplanade des justes parmi les nations, la communauté de Tours a accepté de faire don de cette stèle à la ville de Tours, car il nous a semblé que c'était plus intelligent de faire un seul lieu de mémoire en l'honneur des justes parmi les nations. Je vais vous lire maintenant, non pas toute la liste des 40 justes, mais je vais vous lire le petit texte que vous pourrez lire ensuite et qui a été apposé à ma droite, qui explique pour les passants de demain, pour les enfants d'aujourd'hui et de demain, ce que furent les justes parmi les nations. Passant. Merci. Non. Un, deux, ouais, merci. Passant, souviens-toi que face à la barbarie nazie et à la collaboration massive de l'État français de 1940 à 1944, des justes parmi les nations, reconnus par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, ont sauvé des Juifs au péril de leur vie et de celle de leurs proches. Tous considèrent n'avoir rien fait d'autre que leur devoir. Ils ont été l'honneur de la France, une lumière dans la nuit de la Shoah. Qu'ils en soient à jamais remerciés et servent de guide aux nouvelles générations. Ce texte est ensuite traduit en anglais pour les touristes de passage à Tours. L'hymne national israélien. Yeah.
Thank you.